soir, les enfants ont eu une proposition d'activité TAP sur un cycle, activité théâtre, qui a été encadré par le théâtre en partance, en l'occurrence Magali Calmel. Et nous avons donc, nous présentons ce soir l'aboutissement du projet théâtre qui a été mené sur un cycle de 5 ou 6 semaines par les enfants de l'école des Roseaux et de l'école des Hauts-Champs. L'idée de cet événement, c'est de valoriser à la fois les enfants qui vont interpréter la petite représentation théâtrale, mais aussi de valoriser l'ensemble du projet qui a été mené en lien avec la troupe du théâtre en partance et qui a été préparé aussi en lien avec les animateurs périscolaires sur les temps TAP, à savoir notamment sur les créneaux du mardi après-midi. Donc c'est une vraie performance en soi pour les enfants puisque ils ne travaillent ce projet que sur une heure sur chaque après-midi. Voilà. On a une quinzaine d'enfants qui ont participé au projet sur l'école des Roseaux et puis une petite douzaine d'enfants sur l'école des Hauts-Champs. Bah, l'idée de ce spectacle, c'est de faire vivre une histoire, donc l'intitulé du spectacle, les histoires manchottes, et puis de se déplacer d'un espace à un autre, d'emmener le public aussi avec soi pour vraiment prendre part à l'histoire qui sera interprétée par les enfants. Moi, j'ajouterais juste que ce cadre du lavoir est un cadre déjà très très joli. Et puis en plus, on a la chance ce soir d'avoir un temps superbe. Donc j'espère que tout le monde va apprécier le travail qui a été fait par les enfants, les animateurs, parce que ça demande quand même beaucoup beaucoup d'investissement pour tout le monde. Et bien, bon spectacle à tout le monde. À bientôt sur tevie.tv.